Quand on organise nos enseignements, et en particulier d'ailleurs aussi quand on innove d'un point de vue pédagogique, il y a souvent une espèce d'angle mort qui est la question de l'évaluation des acquis, qu'on laisse un peu de côté. Et vous allez voir, malheureusement, on va avoir un sérieux retour du bâton, parce que la laissant de côté, elle va avoir des effets qui vont au-delà de ce qu'est l'évaluation des acquis d'un point de vue purement technique, à savoir la validation, la certification d'un certain nombre d'acquis. Ça donne aussi, ça envoie aussi aux étudiants un certain nombre de messages sur ce qui compte, à nos yeux, ce qui importe, du point de vue du système. Alors, j'ai donc plagié honteusement une phrase célèbre d'André Malraux. Et jusqu'hier soir, je pensais que c'était André Malraux, puis je me suis aperçu qu'on l'attribue à tort à André Malraux. Voilà toutes mes excuses donc. L'innovation touchera, l'évaluation ne sera pas, tout comme le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Donc j'aurai trois temps. Un premier temps, j'expliquerai sur la base aussi d'une petite étude que nous avons réalisée sur un appel à projet, effectivement, qu'il y a cet angle mort de l'évaluation des acquis dans le domaine de l'innovation pédagogique. Ce sera une partie assez courte. La deuxième partie sera un peu plus longue, puisque c'est là que j'évoquerai avec vous un certain nombre de recherches qui ont porté sur les effets retours. Qu'est-ce qui se passe quand on annonce un certain nombre de modalités pédagogiques? Au-delà, encore une fois, de l'aspect technique, qu'est-ce qui se passe dans la tête des étudiants en matière de représentation de ce que c'est l'apprentissage et l'enseignement? Puis je terminerai par quelques leçons qu'on peut tirer de ces recherches-là en matière de bonnes pratiques de gestion, d'évaluation des acquis, des étudiants. Alors, peut-être un petit préambule quand même, parce que ça nous permettra de parler ensemble le même langage, en tout cas d'avoir une même structure. Pour le dialogue, à la fois peut-être même déjà dans les ateliers, et en tout cas à 16h30, qu'est-ce que c'est qu'au fond l'évaluation des acquis? Alors, on a un certain nombre de formalisations qui existent. Alors ça, c'est une formalisation très classique, elle est plutôt universelle. Je vais vous la présenter, comme ça on aura ce cadre commun pour notre dialogue. Alors d'abord, première chose très importante à mes yeux, j'y reviendrai tout à l'heure, on n'évalue pas des étudiants, mais on évalue des acquis des étudiants. Alors vous allez me dire, oh là là, le Belge, il commence à jouer sur les mots. Alors ce n'est pas que je joue sur les mots, c'est fondamental. Ce qu'on évalue, c'est effectivement la présence. On va essayer de voir si on peut attester de la maîtrise d'un certain nombre de savoir-faire ou de compétences chez les étudiants. On ne les évalue pas directement. Vous allez voir que c'est fondamental, surtout en matière de retour d'informations qu'on va faire à nos étudiants. C'est très important. Ça veut dire que ce qu'on va leur dire, notre discours ne porte pas sur eux, sur leur personne. Elle porte sur leurs acquis à un moment donné, mesurés par tel ou tel type de méthode. D'accord? C'est assez différent. Donc, évaluer les acquis des étudiants, c'est mesurer. Il y aura, dépendamment un peu des disciplines, un aspect de mesure, de comptage. Par exemple, on va faire 20 exercices, on va regarder combien d'exercices sont réussis, etc., etc. Mais finalement, c'est surtout un processus d'appréciation, comme tout processus d'évaluation d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on va essayer d'apprécier? C'est l'atteinte des objectifs d'enseignement. Fondamental, et ça je pense qu'il faut tout de suite se mettre d'accord là-dessus, ça veut dire qu'on n'évalue jamais qu'en regard de nos objectifs d'enseignement qui deviennent des critères. D'accord? En cours de route ou à la fin de séquence d'enseignement, on va se poser la question de savoir si, oui ou non, et donc c'est pour ça que globalement l'évaluation, en fait, elle devrait s'exprimer dans une affirmation assez générale, de type acquis, pas acquis, etc., etc. On va essayer de savoir si, dans notre système éducatif assez individualiste, les étudiants ou chacun des étudiants a effectivement acquis ce que je me proposais de leur faire acquérir. Bon, et les critères avec lesquels je vais regarder ce qu'ils vont produire, que ce soit un examen oral, un examen écrit, un travail, tout ce que vous voulez, ne seront jamais évidemment qu'à rapporter à mes objectifs d'enseignement. Je ne pourrais pas dévier de cette ligne, ça on y reviendra, c'est le principe même évidemment de l'alignement pédagogique.
En général, on pratique cette appréciation en trois étapes. La première étape, on va recueillir de manière assez systématique. Alors, valide et fidèle, ce sont des qualités intrinsèques que l'on attend de toute mesure en sciences humaines. Valide, c'est simplement l'idée que si je prétends, par exemple, mesurer l'acquisition de compétences, je dois être sûr que c'est bien de compétences que je suis en train de parler, et pas, par exemple, de restitution. D'accord ? Il faut que mon jugement porte bien sur l'objet que je prétends mesurer. Fidèle, il faudrait pas que ça bouge trop, par exemple, si c'est une semaine après ou si c'est mon collègue qui fait l'évaluation. Donc, je vais d'abord recueillir de manière assez systématique, valide et fidèle, des informations appropriées à mes objectifs d'enseignement. C'est une phase qu'on appelle en général la phase d'observation. D'accord ? J'ai donné cours, ou je suis en train de donner cours, je suis en train de me demander est-ce que ça va, est-ce qu'ils suivent, etc., etc. Je m'arrête, je fais une petite évaluation formative, j'ai expliqué tout de suite ce que c'est, et pour faire une évaluation formative, je leur soumets sur mon PowerPoint une question, je leur demande d'y répondre individuellement, puis je donne le corrigé, je demande à chaque étudiant de corriger, par exemple, la réponse de son voisin. Donc, je recueille de l'information, vous voyez. Je leur soumets une question, eux répondent, tant bien que mal, ils font ce qu'ils peuvent. Et c'est un texte qu'ils me produisent. C'est juste un texte, d'accord. Le texte, en général, c'est important en matière d'évaluation, le texte ne dit rien du tout. Il ne vous dit pas, ok, ça va. Il produit une réponse, et c'est en lisant la réponse de l'étudiant que vous allez vous dire, ah, j'en déduis qu'effectivement, il y a des traces là de maîtrise de tel savoir, de tel savoir-faire, de telle compétence, qui est important d'ailleurs aussi. Deuxième chose importante, c'est que l'évaluation est toujours une inférence. Je fais l'hypothèse que, ça aussi c'est important pour le dialogue qu'on a après avec les étudiants. Un, j'ai mesuré votre degré de maîtrise à un moment donné, et je pense me permettre de faire une inférence sur le fait que vous ne maîtrisez pas encore ceci, ceci, cela. Il est possible qu'avec d'autres outils, je sois arrivé à d'autres inférences et à d'autres conclusions. C'est la phase de recueil. La phase suivante, c'est donc, je viens d'en parler, excusez-moi, la phase d'interprétation de ces informations. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah ben, par exemple, je lui ai demandé de reformuler de manière personnelle une définition, il l'a fait. Est-ce que je retrouve, et là je reprends alors mes critères, est-ce que je retrouve, par rapport à ce que j'ai cherché à leur faire comprendre, un certain nombre d'éléments qui me mettent sur la piste d'une hypothèse de maîtrise? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? En général, quand on fait une évaluation des acquis, d'ailleurs c'est valable entre nous pour toute évaluation, l'évaluation de la recherche, l'évaluation des curriculums, l'évaluation des programmes, c'est évidemment d'aboutir à deux choses différentes, soit des conclusions et ou des décisions, c'est ce qu'on appellera l'évaluation sommative ou certificative. À un moment donné du processus, et c'est particulièrement le cas à la fin du processus, typiquement c'est l'examen certificatif traditionnel, on dit là, je me décide une fois pour toutes et j'estime avoir suffisamment de données que pour pouvoir affirmer que tel étudiant, maîtrise tel ou tel savoir, tel ou tel savoir-faire, telle ou telle compétence. Ça, c'est la première forme d'évaluation, forme assez classique, hein, qui est née pratiquement au XIIe siècle après Jésus-Christ, dans les toutes premières universités. Ça, c'est amusant d'ailleurs, dans les toutes premières universités se pose déjà la question de savoir, puisqu'on commence à organiser les années. C'est vrai que les années d'études, c'est quelque chose qui n'existait pas avant le 12e. Hein. On travaillait, on était en groupe d'élèves, inter-âge. Puis à un moment donné, on se dit, tiens, non, on va organiser ça par année. Et qui dit année, dit tout de suite la question, ah oui, mais comment va-t-on passer d'une année à l'autre? Et là, l'Occident chrétien, médiéval, invente. C'est quelque chose qu'il n'aurait peut-être jamais dû inventer, les examens. Parce qu'il faut savoir comment on passe effectivement d'une année à l'autre. Ça, c'est une forme d'évaluation assez traditionnelle, assez classique, qu'on connaît depuis le XIIe siècle. Au XXe siècle, un bond dans le temps, on a progressivement, avec l'extension des scolarités diverses et variées, on a étendu la définition et on a dit, oui, mais parfois, ce recueil
d'information, cette interprétation d'information ne vise en fait pas à prendre une décision finale en disant ah, ok c'est bon, c'est pas bon, c'est acquis, c'est pas acquis. Ça sert aussi à poser une action régulatrice. C'est-à-dire que les informations qui vont me revenir vont me permettre de me dire aïe, ça ne va pas. Je vais devoir changer mon fusil d'épaule ou conseiller aux étudiants de changer aussi légèrement leur fusil d'épaule. C'est où et où en fait, hein, les deux. C'est ce qu'on va appeler alors l'évaluation formative. D'accord ? Mais fondamentalement, c'est le même processus. Un recueil de données, approprié bien sûr à mes objectifs d'enseignement, une interprétation de ces données qui ne peut provenir que des critères liés à mes objectifs d'enseignement en vue d'établir soit des conclusions et des décisions, soit de poser des actions régulatrices. On est d'accord ? Est-ce que vous avez déjà éventuellement des questions par rapport à cette première formalisation ? Je dois le mettre plus près. Encore. Questions, commentaires ? Oui, allez-y. Excellente question. Il faut toujours dire ça hein, dans un groupe. Hein. La première question, vous devez toujours dire qu'elle est excellente de manière à ce que vous en ayez d'autres après. Bon, mais cela étant, elle est excellente quand même. Parce que vous avez raison, ça montre aussi à quel point tout processus d'évaluation est nécessairement subjectif. Puisqu'il va toujours comporter un point de vue sur les performances des étudiants. D'accord ? Alors certains dans la salle vont me dire tot, le questionnaire à choix multiple est objectif. Non, il est objectif dans sa correction, mais il n'est absolument pas objectif dans sa conception. Vous avez choisi de poser cette question-là, cette autre question-là. Donc il y aura toujours une part de subjectivité, il faut l'assumer, et notre travail pédagogique consiste en fait à conserver cette subjectivité dans des proportions acceptables. Et la meilleure manière de conserver sa subjectivité dans des proportions acceptables est en fait de l'objectiver nous-mêmes. C'est-à-dire de réfléchir sur nos critères, de réfléchir sur nos objectifs, et puis, étape essentielle, de communiquer et ses objectifs et ses critères aux étudiants. À ce moment-là, on a une situation effectivement pour partie subjective, mais explicitée, au point que ce qu'on appellera ensemble contrat didactique est relativement clarifié. Est-ce qu'il y a une autre question tout aussi excellente que celle-ci ? Ou bien est-ce que c'est OK ? C'est OK pour tout le monde ? Monsieur ? Non ? Non. Alors, allons-y donc pour mes trois parties. Alors, juste, je vais aller très très vite là-dessus, parce que c'est une impression qu'on avait, on a essayé quand même de l'objectiver aussi, si je peux revenir sur cette question subjectivité, objectivité. On avait quand même cette impression qu'effectivement, les innovateurs avaient tendance à délaisser de manière un peu nonchalante l'évaluation. Ça a été le cas en particulier quand on a lancé l'approche par compétences dans l'enseignement supérieur. On était un peu tout fou là en se disant « Ouais, génial, on va développer des compétences. » Et développer des compétences, c'est relativement facile parce qu'en fait, il suffit de mettre les étudiants dans des situations de mobilisation des compétences. Après, les évaluer, c'est une autre paire de manches avec les critères que je viens d'évoquer de validité, de fidélité, etc., etc. Et c'est là que les ennuis ont commencé quand on a surtout voulu ou prétendu évaluer des compétences professionnelles ou pré-professionnelles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de ce que ça veut dire. Je suis désolé, mais l'évaluation de compétences professionnelles, ça ne peut s'observer qu'en milieu professionnel. Ça veut dire déjà qu'on déplace une partie du processus d'évaluation dans des milieux extérieurs. Bref, je ferme la parenthèse. Mais on s'est dit, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on a raison d'avoir cette impression-là ? Et donc, on s'est mis avec un collègue à analyser les réponses de nos enseignants-chercheurs à un appel à projets innovants. Donc ils pouvaient recevoir une certaine subvention, et ce qui faisait qu'ils avaient quand même une petite dizaine de pages à décrire un projet pédagogique innovant pour lequel ils sollicitaient cette subvention-là. Et on a essayé de voir quelles étaient les logiques
d'innovation, c'est-à-dire au fond pourquoi les innovateurs se décidaient à franchir le pas et à opter pour l'évaluation. On a trouvé 5 logiques, desquelles vous allez voir l'évaluation est totalement absente. Il y a d'abord une logique qu'on a appelée la libération de l'innovation, hein, avec des arguments très forts mais quand même pas très étayés. Il faut arrêter d'enseigner comme au Moyen-Âge. Bon, ok. Donc cette impression-là que vraiment l'enseignement supérieur manque d'air, qu'il faut ouvrir les fenêtres, qu'il faut faire des choses, etc., etc. La logique de la remédiation, souvent centrée sur l'observation de lacunes chez les étudiants, en particulier dans les premières années. La logique de la compétence, dans une perspective de rapprocher la formation supérieure des attentes du monde professionnel. Très fort aussi, c'est la logique d'intégration. Vous savez que c'est un vieux reproche qu'on fait à l'enseignement supérieur, c'est de fonctionner par tiroir, par cours séparés, ce qui donne évidemment une maîtrise aussi extrêmement cloisonnée de la part des étudiants. Et donc comment enseigner de manière beaucoup plus transversale ou intégrée. Et enfin, logique de citoyenneté, qui est d'ailleurs de plus en plus importante à l'heure actuelle sur l'esprit critique, en particulier l'esprit critique par rapport aux sources Internet, etc., etc. Mais vous voyez que de tout ça, c'était assez sidérant quand même, hein. On avait 50 réponses de 10 pages. La question de l'évaluation était quasiment absente. On évalue pour plein de raisons. Et puis on laisse de côté cette question d'évaluation des acquis. C'est une erreur. C'est une erreur grave parce que vous avez alors ce que j'ai appelé le retour du bâton. Et cette idée qui pour moi est assez centrale, hein, c'est que toutes nos très nobles et belles intentions en tant qu'innovateurs resteront lettres mortes si l'évaluation n'y est pas adaptée. Pourquoi ? Parce que les étudiants sont compulsivement, mais ça relève parfois de la psychiatrie, ils sont compulsivement pilotés par les perceptions qu'ils ont de l'évaluation. Vous comprenez ? Donc vous pouvez leur faire des discours tant que vous voulez sur la raison pour laquelle vous avez décidé de passer à l'apprentissage par problème. Ils vont vous écouter vaguement d'une oreille pour vous faire plaisir, et puis ils vont attendre le moment où vous allez dire comment ils vont être évalués. Là, ils vont scruter extrêmement précisément, et ils vont en déduire un certain nombre de choses quant à leur pratique d'apprentissage. Et donc, si vous ne soignez pas cette partie-là, ben vous aurez ce fameux retour du bâton. Je vais donner tout de suite 3 exemples qui ont été particulièrement bien étudiés. Et c'est pour ça que j'ai pris ce point de vue-là, c'est parce que là, on a vraiment une base de données en recherche qui est quand même assez importante. C'est les effets de l'évaluation sur ce qu'on appelle les croyances épistémiques. Je vais expliquer tout de suite ce que c'est. Les effets de l'évaluation sur l'approche d'apprentissage des étudiants. Et in fine, parce que les croyances épistémiques elles-mêmes et les approches expliquent aussi ce que les étudiants finissent par acquérir effectivement. Alors, le premier exemple, qui est un exemple assez étonnant et assez frappant, c'est la question de l'impact des questionnaires à choix multiples sur les croyances épistémiques. Alors, il y a une recherche vraiment tout à fait passionnante, hein, si ça vous intéresse, sur l'évolution des croyances épistémiques des étudiants dans l'enseignement supérieur, en gros de leur entrée jusqu'au deuxième cycle, voire après. C'est quoi une croyance épistémique ? C'est l'idée toute simple que chacun des individus, et c'est vrai aussi pour les jeunes, et a fortiori pour les étudiants, se crée spontanément un certain nombre de représentations de ce qu'est la science, le discours scientifique. Le rapport, par exemple, entre la science et le vrai. Le rapport entre la science et le réel. Est-ce que c'est une photographie du réel? Est-ce que c'est une interprétation du réel? Le caractère provisoire ou relatif des connaissances scientifiques, etc., etc. C'est surtout Perry, un Anglais, qui a beaucoup travaillé là-dessus à partir des années 80, et qui a montré que de la première année d'enseignement supérieur jusqu'à la dernière, il devait nécessairement y avoir une sophistication de ces croyances épistémiques. En fait, pour qu'elle s'ajuste de plus en plus à l'épistémologie des enseignants-chercheurs qui sont leurs enseignants, d'accord ? Et ce procédé-là est, d'après lui, et puis ça a été confirmé par après, relativement inévitable. Perry, petite parenthèse, Perry n'évoque jamais la question de l'évaluation.
Il dit, voilà, ça dépend sans doute du discours que les enseignants ont sur la science. Oui. Alors, épistémique, ça veut dire qu'il y a rapport au savoir, en fait. Donc, l'épistémologie, c'est une discipline philosophique hein, assez traditionnelle, qui est enseignée partout dans l'enseignement supérieur, et qui consiste à essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est que le savoir, finalement. D'accord ? L'épistémé, en grec, c'est savoir. Donc ça, c'est l'épistémologie traditionnelle. Et le courant de recherche dont je parle ici, c'est plutôt de se dire, c'est pour ça qu'on appelle ça les croyances épistémiques, c'est parce que ce sont des représentations spontanées que les jeunes se font de ce que c'est le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus clair ou c'est pas vraiment plus clair? Je vais peut-être donner... Oui, alors là, ça peut quand même. Mais je vais vous donner un exemple, alors très concret, parce que je l'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps. C'est un collègue d'ailleurs qui me l'a rapporté, qui était un peu, comment dire, décontenancé. Gros cours de première année en économie. Première heure de cours. Vous voyez ce que c'est un cours d'économie? Oui. Première heure de cours avec des étudiants, ce qu'on appelle d'année 1 chez nous, tout frais, tout naïf, etc. Première heure de cours avec des tableaux, des chiffres, de l'économétrie, en veux-tu, en voilà, sur comment est-ce qu'on peut expliquer que le taux de chômage d'un pays soit peut-être en partie dû à trop d'interventions de l'État. Par exemple, il prend trop en charge les chômeurs. Il les rémunère, entre guillemets, un peu de manière trop importante, ou bien il encadre un peu trop les procédures de licenciement, etc., etc. Bam, 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 bam. Les Belges sont vite fatigués. Après une heure, les étudiants n'en peuvent plus. Pause. L'enseignant revient dans son amphi, et il dit, OK, maintenant, deuxième partie du cours, comment est-ce qu'on peut expliquer que le taux de chômage d'un pays soit éventuellement dû à trop peu d'États? Il n'encadre pas suffisamment les procédures de licenciement, etc., etc. Et puis il voit certains regards, vous voyez, là, le regard des étudiants du premier rang, là. C'est ceux qui suivent. Et, vous avez vu, hein, d'ailleurs. C'est ceux qui suivent et puis qui ont parfois des petits sourcils interrogateurs, qui disent, qu'est-ce que c'est que cette affaire, etc. Et quand vous sentez ça, vous devez arrêter, hein. Tout bon pédagogue, c'est ça. Donc il s'arrête, il dit, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Ben, non, qu'il dise, il y a un problème, quand même, hein. Vous venez de nous dire le contraire. Alors, il faudrait savoir, si vous saviez que c'était dû plutôt à trop peu d'États, la première heure, on aurait évité de prendre des notes, de se fatiguer, etc., etc., on aurait tout de suite. Alors, voilà, vous voyez, croyance épistémique, c'est quoi? C'est une connaissance est absolue. C'est-à-dire que toute affirmation que vous pouvez poser sur le monde est nécessairement juste ou fausse. Et ils ne peuvent pas imaginer que le fameux « ça dépend du relativisme », alors relativisme, c'est pas relativisme absolu, c'est-à-dire qu'on peut dire tout et n'importe quoi, c'est pas ça. Ça dépend du cadre dans lequel vous posez cette connaissance-là. En économie, c'est très clair qu'on sait qu'il y a des cadres théoriques assez différents, et selon tel courant ou selon tel autre, vous pouvez avoir des interprétations différentes. Est-ce que vous me suivez? Mais pour ça, il faut que l'étudiant accepte fasse évoluer ses croyances épistémiques dans le sens, ben oui, au fond, certaines connaissances scientifiques sont relatives. Et pour Perry, d'ailleurs, c'est vraiment un des basculements les plus importants. Après, ça intervient différemment selon les disciplines, etc., etc. J'espère que j'étais plus clair avec mon exemple. Ah ben, allez-y. Ça fait sens. Du coup, si j'ai bien compris... Alors, qu'est-ce qui est soumis à l'interprétation et le relativisme dans ce que vous nous présentez hein? La question la question que l'enseignant souhaitait traiter, si vous voulez, c'est les relations entre les taux de chômage, le taux de chômage. Ah, j'y arrive alors. J'y arrive. Vous allez un peu vite là cette fois-ci. Donc, mais est-ce que d'abord c'est clair pour ce que c'est les croyances épistémiques, en gros? Parfait. Ceci dit, sur Internet, il y a un très beau numéro de la revue Réseau, toutou, sur les croyances épistémiques des étudiants. C'est 4 pages, 8 pages, si mes souvenirs sont bons. C'est, voilà, on a repris la théorie de Perry, on l'a simplement expliqué, c'est tout. Et donc, j'en viens à cette idée-là, c'est que finalement, notre ami Perry, quand il observe cette évolution-là,
C'est assez significatif. Hein. Moi, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, pas tous ses travaux, mais quand même. Il parle quasiment jamais de l'évaluation. Il dit, voilà, ça dépend sans doute, ben, évidemment, de la croyance que l'étudiant a au départ, ça dépend aussi de ce que l'enseignant dit, ça dépend de la manière dont il va éventuellement interrompre son cours, comme mon collègue, pour avoir un petit dialogue avec ses étudiants sur cet aspect, etc. etc. En réalité, après lui, on a découvert que, oui, c'est certes, tout ça va jouer, mais ce qui va encore plus jouer, c'est comment vous allez organiser votre évaluation. D'accord ? Et en particulier, ce sur quoi vous allez la faire porter. Et un groupe de recherche se sont en particulier intéressés à la question de l'effet des questionnaires à champs multiples. J'y arrive alors. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un étudiant quand vous évaluer ses acquis de manière répétée par questionnaire à choix multiples en termes de croyances épistémiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire. Ça devient intenable comme suspense. quand vous faites un questionnaire à choix multiples, vous êtes obnubilé, ce qui est tout à fait logique, hein, par les critères de ce qu'on appelle la décidabilité. C'est-à-dire qu'il faut que les distracteurs que vous proposez, vous voyez, hein, il y a une première phrase, hein, est-ce que la capitale de la France est Paris? Il faut que la bonne réponse soit entièrement bonne, Paris, je pense, hein, et puis que toutes les autres soient entièrement fausses. Alors, pour l'exemple que je viens de prendre qui est un peu débile, ce sera assez rapide, mais par exemple, on aurait pu mettre Bruxelles en se disant, du point de vue des directives européennes, etc., etc. Donc, on va pas mettre Bruxelles, on va mettre tout de suite Lyon, Alès, Lille, etc., etc. Tout simplement pour être tout à fait sûr de son coup et qu'il n'y ait pas de contestation, etc., etc. Ça veut dire qu'on habitue les étudiants à faire comme si la science était uniquement la maîtrise d'un certain nombre de faits isolés, indubitables, justes ou faux. Et, c'est ça, j'y arrive, On a observé que alors évidemment c'est pas une fois, mais la répétition de ce type de modalité d'évaluation contribue à asseoir d'autant plus les croyances épistémiques dualistes, vrai, faux. Est-ce que c'est clair? Donc vous voyez que on a un outil d'évaluation qui est évidemment pas du tout pensé dans la perspective des croyances épistémiques. On se dit bah c'est parce que c'est plus facile, etc., etc. Mais qui a pourtant un impact terrible sur la conception même que les étudiants finissent par avoir du savoir, et on sait bien entre nous que avoir quelque chose qui est indubitablement vrai et indubitablement faux en toutes circonstances est finalement relativement rare. Alors c'est parfois vrai, il ne faut pas exagérer non plus, mais donc on les habitue à avoir on les habitue sans s'en rendre compte, c'est ça qui est important. On les habitue par effet retour. On évalue comme ça pour des raisons de grand nombre, par exemple. Souvent, en médecine, on dit « Ah non, c'est pas possible. On doit absolument faire des QCM. Ils sont 400 en première année. On ne va pas s'en sortir. » Et donc, on va demander « Tiens, quelle est la taille de la membrane cellulaire moyenne ?» Et donc, on va leur faire croire que la médecine, ce sont des connaissances extrêmement pointues, factuelles, décidables sur la taille de la membrane cellulaire, de tel ou tel organite cellulaire, etc., etc. Ce qui est évidemment complètement faux. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. J'espère qu'il est clair. Vous aviez déjà une question? Oui. Excellente remarque, oui. Très bien. Alors, je vais répéter la question. Vous répétez la question. Donc, effectivement, alors je vais un peu vite parce que j'ai pas 6 heures devant moi. Donc, quand je dis le QCM, c'est certaines formes de QCM. Et en particulier, quand effectivement, c'est des vrais faux points à la ligne, l'abominable texte à trous. Vous avez déjà vu ça? Non, ça ne se pratique pas en France, c'est un pays civilisé. Mais en Belgique, on a parfois des évaluations par texte à trous. Alors là, c'est le plus débile. C'est enregistré, donc c'est ça, oui. Bon, donc, c'est pas indiqué, disons, on va dire. et vraiment, ça habitue aussi, vous imaginez, au niveau croyance épistémique, ça habitue l'étudiant à croire qu'effectivement, un savoir, c'est simplement quelque chose qu'il faut remplir par des petites indications à gauche, à droite, etc. Maintenant, vous avez tout à fait raison de dire que on peut aussi faire des QCM plus sophistiqués. En particulier, par exemple, rien que la consigne de dire quelle est la solution qui est la plus vraie. C'est déjà pas mal.
s'autoriser éventuellement à avoir plusieurs solutions vraies, ça arrive. Et puis il y a toute une série de sophistications de notre ami Dieudonné Leclerc, d'ajouter ce qu'il appelait les, comment est-ce qu'il appelait ça, les solutions générales implicites. Merci beaucoup. Je ne sais pas répondre à la question parce qu'il n'y a pas assez de données. Systématiquement, vous voyez. La science ne parvient pas encore à trancher. Enfin, vous pouvez imaginer alors tout ce que vous voulez. Ce qui est déjà différent. Moi, je parle des QCM les plus bêtes et méchants, comme il en existe sans doute plus beaucoup en France, mais dans certains pays du Nord, c'est encore le cas. Bon. Deuxième exemple. OK pour tout le monde. Je préfère que les questions viennent en cours de route, hein, parce que si ça ne dérange pas les gentils organisateurs, non? C'est plus interactif, oui? Oui, mais c'est une excellente remarque, donc je la répète. Donc vous avez utilisé les QCM dans une fonction particulière qui était plus de les mettre au travail, de réguliers en particulier, etc. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai, mais mon intervention d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer juste que peut-être que vous avez des effets non désirés, et ce qu'on appelle des effets pervers, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas pensé que ce faisant, en soi c'est une bonne idée, sauf que vous allez provoquer des choses que vous n'avez pas nécessairement voulu. C'est ça. Alors, deuxième exemple. Alors là, vous avez une recherche plus que foisonnante. Vous avez des milliers d'articles, puisque à partir des années 1970, je vais le dire en français, des chercheurs suédois ont observé des étudiants de l'enseignement supérieur et ont proposé le concept d'approche d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, tiens, au fond, les étudiants n'abordent pas leur apprentissage avec les mêmes intentions, la même posture, les mêmes interrogations, et ils ont, au début, par des techniques d'analyse qualitative, essayé de distinguer différents types d'approches. Puis ça a été confirmé après par des études beaucoup plus quantitatives à partir de questionnaires. Et en gros, ils distinguent trois types d'approches. Ce qu'on appelle l'approche en surface, où l'étudiant se met en tête que finalement, son métier d'étudiant, c'est plutôt de reproduire et de renvoyer un discours à son producteur. Ça veut dire évidemment qu'il va se centrer sur les signes. Il va essayer c'est typiquement l'étudiant, par exemple, qui pendant la prise de notes regarde vite sur son voisin en disant qu'est-ce qu'il a dit mais qu'est-ce qu'il a dit du point de vue des mots, etc. Parce qu'il va essayer de se dire, bon, si je capte ces mots, si je capte ces signes, et puis après si je les mémorise et si je les renvoie à celui qui a produit le discours, comment pourrait-il être mécontent? C'est ce qu'il a dit, d'accord. Ça va entraîner évidemment toute une série de méthodes. Oui, ça c'est fort bas, mais du type par cœur, répétition, etc., etc. A contrario, ils ont décrit une autre approche qu'ils ont appelée l'approche en profondeur, où là, ce sont des personnes qui sont plutôt intéressées par un apprentissage des idées elles-mêmes qui se trouvent derrière les mots, sur la signification, parvenir à une compréhension personnelle pour des perspectives soit intellectuelles, pures et dures, soit des perspectives professionnelles. Et puis, c'est un peu bizarre, mais ils ont trouvé une troisième approche qui n'est pas exactement d'ailleurs sur le même plan que les deux précédentes. C'est une approche beaucoup plus stratégique, où l'étudiant est plus un étudiant caméléon, il est à peu près à tout. Et il va se renseigner très très fort sur les modalités d'évaluation et adapter systématiquement ses stratégies à ces modalités d'évaluation annoncées. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que à partir de cette grille-là, des trois approches, on a des dizaines et des dizaines de recherches qui montrent que... Alors, l'approche dépend de quantité de choses, hein, en particulier des méthodes d'enseignement, c'est clair, mais c'est pas mon sujet ici. Est-ce que ça dépend aussi des modalités d'évaluation? Eh bien oui, et grandement. Plus encore que des méthodes d'enseignement, d'accord? Ça veut dire que le type d'approche que l'étudiant va choisir de développer va dépendre de ce qu'il perçoit. Ce qu'il perçoit, j'y reviendrai tout à l'heure, il peut se tromper dans sa perception, mais ça va dépendre de ce qu'il perçoit de ses modalités d'évaluation. Alors, on sait qu'en gros, je vais aller vite,
qu'est-ce qui a plutôt tendance à inciter les étudiants à se tourner vers une approche en surface, c'est la restitution de faits isolés. Le texte à trous étant le summum. Hein. Moi, je l'ai vu une fois, moi, dans ma propre université. Un seul examen de janvier réalisé un peu à la sauvette, comme ça, par texte à trous, a conduit 450 étudiants à travailler en surface. À dire, ah, c'est comme ça. S'il s'agit de retrouver dans un texte de physiologie la mitochondrie à pour blanc fonction de gnagnagna, ok, on va étudier le texte. Vous suivez? Donc ça, c'est immédiat, c'est radical. Un chercheur anglais avait dit, vous savez, c'est très facile pour avoir des étudiants idiots, on a toutes les recettes. Vraiment, on sait exactement, stratégie par stratégie, ce qu'il faut faire. Restitution de faits isolés. Quelque chose qui est important, c'est quand vous donnez trop d'attention à l'aspect quantitatif de l'évaluation. Quand vous chipotez pour dire à un étudiant, tu as 12 et pas 13. Quand vous commencez à dire pourquoi il a 18 et pas 19, etc., etc., il va commencer à se dire aussi, mais au fond, pour grappiller des points, je vais prendre un exemple tout à l'heure, la seule solution, c'est effectivement d'en remettre un peu plus. Donc rien que ça, ce qui a l'air anodin quand même, hein, l'utilisation d'une échelle peut avoir une influence sur l'approche. La charge de travail excessive, c'est quand l'étudiant a l'impression d'être confronté à quelque chose qui le dépasse, qui demanderait vraiment un travail en profondeur trop important, il se rabat alors sur une approche en surface. J'ai eu cette phrase, moi, d'un étudiant de la faculté d'économie. Écoutez, moi, je ne m'en sors pas. Je vais essayer de réussir, je comprendrai après. Vous rendez compte, quand vous entendez ça de vos propres oreilles, même pour un Belge, c'est perturbant. On se dit, là, on a quand même un petit peu raté quelque chose en matière d'enseignement supérieur. Tout ce qui est aussi ce qu'on appellera, entre nous, je vais y revenir aussi, les exigences diffuses et implicites. J'ai repris ici une vieille expression de Bourdieu et Passeron, hein, qui avait dit, mais dans un système scolaire, à quelque palier que ce soit, quand on n'est pas très clair sur ce qu'on attend, quand c'est pas parfaitement identifié, quand on joue au jeu du chat et de la souris, ben, alors évidemment, les gens vont se renseigner très fort sur le jeu en question. Et ils vont calquer leur comportement uniquement sur ce qu'ils croient percevoir de ce jeu. Et à contrario, on le verra ensemble, quand le contrat didactique est extrêmement clarifié, on peut se permettre alors, effectivement, et si on déduit de la lecture du contrat que c'est bien une approche en profondeur qu'il s'agit de privilégier, on peut se tourner vers une approche en profondeur. Alors juste pour vous donner un exemple de ces recherches, alors je vais en donner deux plus exactement. Celle-ci est assez étonnante quand même, c'est dans un pays scandinave, alors là, pour le coup, le pays m'échappe, mais bon, peu importe, qui à un moment donné passe d'un système d'évaluation à un autre, c'est-à-dire que l'année zéro, ils avaient un système qui est, on verra ensemble, en fait le seul véritablement valable, c'est acquis pas acquis, maîtrisé pas maîtrisé. C'est ce que nos amis anglo-saxons appellent le pass only, c'est pass ou fail, point. D'accord? Pour des raisons d'ailleurs d'harmonisation européenne, faut le faire quand même, ça doit nous interroger sur le sens de l'Europe, pour des raisons d'harmonisation européenne, tout le pays bascule vers un système de distinction des mentions ou des grades sur une échelle de 0 à 20. D'accord? Alors pour un chercheur, c'est fantastique, hein, parce que vous avez année 0, pass only, année 1, 0 à 20, est-ce que ça a des effets? Indépendamment du taux de réussite, etc., est-ce que ça a des effets? Et ils ont l'idée de génie de se dire, tiens, est-ce que ça va avoir notamment des effets sur l'approche? Et via un petit questionnaire vraiment à grande échelle, ils interrogent les étudiants au premier tiers de l'année en leur disant, tiens, compte tenu de ce que vous savez du contexte, est-ce que vous allez plutôt vous diriger vers une approche centrée sur la reproduction, qui est grosso modo l'approche en surface, ou plutôt une approche centrée sur la compréhension, qui est grosso modo l'approche en profondeur. Vous me suivez toujours? Et vous voyez que ce petit détail, qui peut être un détail pour vous, mais bon, pour nous ça veut dire beaucoup, oh là là, et c'est la chanson d'hier qui est... ce petit détail suffit à faire passer, par exemple, le pourcentage d'étudiants qui déclarent
probablement utilisé une approche en surface de 37% en 74%. Vous voyez? Pourquoi? Ben, on verra ça tantôt, parce qu'ils se disent, ouais, montrer que je maîtrise, ok, je peux y aller à l'essentiel. Avoir un 18, ça ne va pas suffire. Et c'est vrai, je vous montrerai des corrections de copie qui montrent que pour avoir un 18, il faut y aller franco, hein. Il faut en remettre des tonnes. Et plus vous en remettez des tonnes, mieux c'est. Plus vous rappelez à l'enseignant qu'il était extraordinaire, et mieux c'est, etc. Ça donne l'impression, comme ça, d'un étudiant particulièrement scolaire. Et comme vous l'avez si bien rappelé au cours, je me permets d'ajouter cet argument-là, etc. Vous dites, merde. Mais ça pourrait être moi, ça. Bam, 19, 20, etc., etc. Donc, ils vont comprendre ça. Ils vont se focaliser là-dessus pour essayer de grappiller un certain nombre de points. C'est un exemple assez flagrant, hein. Alors, un autre exemple, c'est une recherche ici anglaise qui porte toute une université, donc il y a 80 programmes, et on fait assez ça souvent, ce sont des analyses en pistes causales. On prend toute une série de mesures, diverses et variées, et on essaye de voir ce qui explique le mieux la moyenne de l'étudiant, sa satisfaction par rapport au programme, et le fait qu'il ait l'impression d'avoir développé un certain nombre de compétences génériques. Et vous avez cette première relation aussi qui est assez importante, assez significative et négative. C'est-à-dire que chaque fois que l'étudiant estime que la charge de travail en matière notamment de préparation aux épreuves d'évaluation est trop importante, elle n'est pas appropriée, elle est disproportionnée, vous avez une augmentation concomitante de l'approche en surface à 0,31 sur des coefficients de régression partielle, mais enfin ils sont significatifs en l'occurrence, ça veut dire que vous avez un effet puissant que vous n'aviez pas voulu, hein, puisque finalement vous dites oui, on va leur donner du travail, parce qu'ils seront plus malins, pas du tout, ils seront plus bêtes, parce qu'ils vont développer une approche en surface qui vont les conduire à, on verra ça tout à l'heure, en réalité peut-être réussir. Ça, c'est terrible, ça. Bah, ça ne doit pas exister en France, hein, mais en Angleterre, on voit une corrélation plutôt positive entre l'approche en surface et la moyenne de l'étudiant. Par contre, on voit une corrélation nulle entre l'approche en surface, heureusement, et le développement de compétences génériques qui, elle-même, est reliée positivement à l'approche en profondeur. Donc, tout se passe comme si l'étudiant peut apprendre intelligemment à condition qu'il oublie les modalités d'évaluation et qu'il ne s'en occupe pas trop, ce qui existe d'ailleurs. Moi, j'en ai rencontré des étudiants qui disaient « Ouais, bon, faudra bien que je réussisse par ailleurs, mais c'est le cours qui m'intéresse, c'est ce qui est développé à l'intérieur du cours. » Et moi, j'ai reçu ça, alors de manière, c'est pas une recherche, ça c'est beaucoup plus anecdotique, mais bon, je dois essayer de placer trois blagues belges, en voilà la première. Mais celle-ci est authentique, hein, donc les deux autres aussi d'ailleurs. Un étudiant qui vient me voir, qui dit moi sur ma ville, moi je suis perdu, hein, dans votre affaire, là, je comprends rien à ce qui se passe. Je fais du mieux que je peux. Vous voyez, le Belge besogneux, sérieux, etc., mais complètement perdu, qui ne parvient à rien du tout. Il dit écoutez, moi cette semaine j'ai reçu deux résultats de travaux en histoire, 8 sur 20, c'est quand même pas beaucoup. Hein. J'essaye de lui dire non, c'est pas toi, c'est tes acquis. Non, reste pas moi que c'est dur. 8 sur 20. Et il y avait un petit commentaire, vous voyez, les commentaires en rouge dans la marge, là. Hein. Il disait ceci. Identifier à l'avenir, avec un ton un peu martial quand même. Hein. Identifier à l'avenir les noms, les lieux, les dates, les événements. Faites comme si je ne connaissais rien de ce dont vous parlez. Waouh. Ça plongeait mon étudiant dans un abîme de perplexité. Il dit, ce type, là, je l'ai vu au cours. M'avait l'air compétent. Et puis quand je me retrouve à lui écrire des choses, je dois me dire, non, il connaît rien. Est-ce que vous connaissez beaucoup de situations de communication de ce type-là? Ça n'existe pas. Dans les situations de communication normales, vous tenez compte, c'est même une qualité, du niveau de connaissance de votre interlocuteur. Je vous renvoie aux maximes de Grice, hein. Maxime conversationnel, la logique de la communication veut que vous n'avez pas répété des choses que vous supposez maîtriser chez votre interlocuteur. Là, bien. Là, il dit si, hein. Alors, il avait été un peu franco, il avait tout de suite à l'analyse historique, il n'avait pas rappelé les faits, les dates, les événements, etc., etc. Sauf que, il reçoit un 8
en anglais, avec, dans la marge, écrit en rouge, mais une autre écriture, un autre commentaire, ne me racontez pas ce qui s'est passé, j'ai lu le livre avant vous. Vous comprenez? Il y a moyen de devenir schizophrénique pour moins que ça. Parce que qu'est-ce qui se dit alors? Il se dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il y en a un qui me demande ceci, l'autre qui me demande cela, et c'est ça les exigences diffuses et implicites. C'est finalement, je m'y perds, je vois plus trop bien ce qu'il faut faire. Ben, dans une situation pareille, je vais essayer de produire quelque chose qui sera plus ou moins acceptable. Je vais demander un robot, par exemple, pour le moment, c'est très à la mode, ou d'autres sources comme des amis, etc. Et donc, la conclusion de mon étudiant était celle-là. Hein. Dans ces conditions, je vais surtout essayer de réussir. J'apprendrai éventuellement plus tard ce qui vous l'avouerait. Quand vous la recevez dans la figure, cette conclusion-là, elle est terrible pour vous. Hein. Vous dites, ah non, ça n'est pas possible, je dois m'inscrire à Médiane. Il faut que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas vivre avec ce genre de choses. Bon, il est quelle heure là? Je me laisse un peu aller, donc je vais accélérer. Je vous montre peut-être juste encore celle-ci parce qu'elle est, elle est plus sérieuse que ma blague belge, elle est plus pointue aussi. C'est une recherche qui a porté sur la compréhension qu'ont les étudiants de ces fameux verbes d'action qui introduisent normalement les questions d'évaluation. Donc pour justement recueillir des informations plus ou moins standardisées, fidèles, valides, etc., etc., en général, on prend la précaution de préciser par un verbe d'action mentale ce que l'on attend véritablement de l'étudiant, définit, explique, discute, etc., etc., compare. Bon, et on suppose évidemment que ils vont avoir la même représentation que celle du scripteur de la question. On pourrait d'ailleurs espérer que en fin d'année, avec la clarification progressive du contrat didactique, ce soit le cas. Quand l'étudiant demande « compare », ou on avait la fameuse expression en faculté de philosophie et lettres « glose »,« glosé », ou pire encore « problématise ». Vous pouvez avoir autant de définitions de la problématisation que de problématiseur, d'accord? Je passe. Bon. Et donc, ici, ils se sont dit, tiens, est-ce que en fin d'année, c'est important, c'est en fin d'année, est-ce que les étudiants, quand ils vont être confrontés à un certain nombre de questions, ils comprennent bien de quoi il s'agit? C'est-à-dire qu'ils soient capables de se mettre dans la tête de celui qui a rédigé la question, en disant, ah, c'est ça qu'il veut, ok. D'accord? Et donc ici, c'est les réponses des étudiants qu'ils ont regroupées selon un certain nombre de catégories. Alors la première catégorie, évidemment, c'est fantastique, c'est une réponse qui peut être considérée comme parfaitement compatible avec la définition de l'enseignant. Ils ont par ailleurs demandé à l'enseignant quel était le sens qu'ils accordaient à ce terme-là. Ça existe, mais c'est pas toujours fréquent. On est bien en fin d'année, hein, d'accord? Assez rapidement, ce qui prédomine dans les réponses des étudiants, c'est cette catégorie ici, à savoir, et ça c'est très important, ce sont des définitions ou des représentations qui sont ce qu'on appelle un peu de sens commun, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe dans la langue naturelle, ici c'est en anglais, mais qui n'est quand même pas tout à fait précisément le sens précis que l'enseignant avait en tête quand il a posé la question. Et là, vous avez un cas extraordinaire où, par absence de clarification du contrat didactique, les étudiants vont partir dans une production et vont peut-être même échouer parce qu'ils n'ont pas compris ce qui était attendu qu'ils produisent. Vous suivez? C'est pas parce qu'ils n'ont pas compris la matière, ça n'a rien à voir. C'est ils se sont tout à fait trompés sur le type de production attendu, et il y a des cas assez étonnants, notamment le fameux « explique » ici, mais ça peut s'expliquer, ça sans parler, parce qu'en français, ce terme « explique » est effectivement polysémique. Vous pouvez aller voir dans le trésor de la langue française, je pense qu'il y a au moins 12 acceptions possibles d'« explique », et il y a notamment une fameuse acception extrêmement courante, mais dans le langage de tous les jours, hein, quand vous dites à votre enfant « explique-moi ce que tu as fait aujourd'hui à l'école », c'est raconte, décrit.
Donc ici, c'est un chimiste, explique telle oxydoréduction, il la raconte, il la décrit. Alors que le prof a en tête, explique dans le sens, identifie les causes du phénomène. Est-ce que vous me suivez? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, et comme ça n'a malheureusement pas été explicité, on revient alors à ce que j'ai dit tout à l'heure, ben les étudiants, une partie en tout cas d'entre eux, vont partir sur une autre piste. Alors, qu'est-ce qui favorise maintenant l'approche en profondeur en matière de modalités d'évaluation? Ben c'est juste l'inverse, c'est pas compliqué. C'est quand votre contrat didactique est parfaitement clair, explicité, que les étudiants peuvent se mettre à votre place. On verra, il y a des petites techniques, comme par exemple, vous leur demandez en fin de semestre de poser eux-mêmes des questions que vous pourriez poser à l'évaluation. Ça, ils vont être capables alors de se mettre dans votre tête. Sachant que vous poursuivez tel et tel et tel objectif, vous pourriez nous demander de. C'est souvent assez significatif. Des évaluations, des méthodes ouvertes, méthode à livre ouvert, méthode comportant des questions vraiment ouvertes, à condition qu'elles soient vraiment ouvertes, j'y reviendrai, des travaux, le portfolio, qui est de plus en plus utilisé comme outil de responsabilisation de l'étudiant, c'est à lui de capitaliser dans un portfolio, comme un book, hein, toute une série de traces de ses apprentissages, d'évaluation bien sûr centrée sur la compréhension. L'évaluation authentique peut aussi provoquer l'apprentissage en profondeur. C'est l'évaluation, je montrerai tout à l'heure un exemple, qui est pratiquée en situation semi-authentique ou authentique. C'est beaucoup le cas, par exemple, pour le moment, dans le domaine de la santé. On fait des évaluations chez les médecins, par exemple, de la capacité à l'anamnèse clinique. Mais on les fait à l'hôpital avec des faux patients qui sont censés simuler une crise de foie. Il y a deux caméras, une sur le patient, une sur le candidat médecin. Et on essaye de voir si, effectivement, il est capable de mobiliser la compétence à l'analyse, à l'anamnèse clinique. Mais ça doit nous rapprocher, évidemment, j'y reviendrai, des situations plus ou moins proches de la situation professionnelle. Un point très important que j'aimerais encore soulever, puis je dois passer à ma troisième partie, c'est jusque 13h, c'est ça, hein? Vendredi 13h. Ah, ça va, j'ai encore un peu de temps. Non, mais c'est quoi? C'est 12h30, c'est ça? Oui, mais c'est bon, ça. 40 même. Ah! Je prends les 10 minutes de la photo. C'est fantastique, ça. Alors. Il n'y a plus de neige, hein, c'est une neige plus. Mais bon, je prends les 10 minutes, c'est fini, la négociation est terminée, mais ceci dit, ceci étant, il n'y a plus de neige. Oui, excusez-moi, oui. Oui, vous aviez une question, oui. C'est une excellente remarque. Non, mais vous avez parfaitement raison. Encore une fois, je n'ai pas 6 heures, mais c'est sûr que toutes les études sur l'approche ont montré que les étudiants arrivent avec, évidemment, une espèce de prédisposition. Qui provient d'ailleurs, c'est intéressant, de toute une série d'expériences antérieures, notamment de leur scolarité antérieure. Ça joue beaucoup. Chez nous, en Belgique, on a pas mal d'écoles secondaires dites à pédagogie active. On voit qu'en règle générale, les élèves qui sortent de ces écoles-là déclarent plus volontiers une approche en profondeur qu'une approche en surface. Vous voyez, c'est pas étonnant. Donc, c'est sûr qu'ils viennent avec une espèce de prédisposition, plus ou moins fort d'ailleurs, qui dépend d'un certain nombre de facteurs. Et ce que les études ont montré, c'est que malgré cela, si vous voulez, ce qu'ils vont rencontrer, les méthodes d'enseignement, mais surtout les méthodes d'évaluation, vont pouvoir avoir un certain impact. Alors évidemment, s'ils sont par exemple, alors je prends un peu la caricature, mais ce sont des élèves sortis des écoles à pédagogie active qui ont choisi leurs études supérieures pour le sens, pour un projet intellectuel, etc.
bon, voilà, qui ont une certaine assurance, c'est important, une estime de soi assez élevée en général, et plutôt liée à une approche en profondeur, parce qu'on s'autorise à penser par soi-même. D'accord ? Bon, déjà, ces trois caractéristiques-là, ça va être quand même un peu compliqué de les orienter vers une approche en surface. C'est possible. Moi, j'ai connu des cas d'étudiants qui me disaient, bon, écoutez, j'ai été un peu malin pendant un an, c'est fini, j'ai raté. Je vais vraiment faire ce qu'on me demande, point à la ligne, je ferai ça par après. D'accord ? Donc, c'est possible. Donc, on a une certaine, comment dire, un certain impact, alors il est relatif, vous avez raison, sur une espèce de prédisposition au départ. Mais sur laquelle, par contre, nous, on peut plus jouer. Ils sont ce qu'ils sont. Ce qui est important d'un point de vue pédagogique, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire moi en espérant avoir des effets sur leur représentation et finalement leur pratique. Je pense qu'il y avait une autre question ou non? Non. Oui, si, oui. Alors, donc, je redis la question qui, vous allez me trouver extrêmement démagogique, mais qui est vraiment excellente. Parce que ça, c'est possiblement quand même une contradiction, effectivement. C'est est-ce que, quand on va passer notre temps à essayer d'expliciter au maximum les modalités d'évaluation, ça pourrait ne pas aussi provoquer une approche en surface dans le sens où ils vont se caler complètement sur ces modalités-là. Le risque n'est pas nul, à nous de leur montrer, par A plus B, que les modalités en question, elles sont très connues, elles sont très claires, mais elles supposent une approche en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Noir sur blanc. Alors moi j'ai un petit exercice comme ça que je fais qui déstabilise profondément mes étudiants. C'est pas beau, hein, c'est en pédagogie ici, peut-être que l'équipe médiane va m'en vouloir. Je fais des examens à livre ouvert, avec des questions qui nécessairement, évidemment, c'est plus facile puisque je travaille en formation des enseignants, donc je leur demande de prendre un exemple de leur pratique professionnelle et de commenter ou d'utiliser plus exactement un concept pédagogique pour décrire cette pratique professionnelle. Donc déjà là, je leur montre que ça ne sert à rien de demander au robot tchap machin là, parce que l'expérience professionnelle, ce sera la vôtre. Donc ça ne sert à rien et lui, il n'en a pas lui, hein, vous avez vu. Il n'y a pas d'expérience. Bon, ça c'est une chose. Mais ça ne suffit pas toujours, parce que certains se disent « ouais, 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 mais moi je vais quand même essayer de me renseigner sur des réponses, etc. » Et donc, je leur montre trois réponses des années antérieures. Une que j'ai considérée comme acceptable, attention, hein, pas comme ça, mais en fonction de mes critères. Une que j'ai considérée comme ne rencontrant pas mes critères, et une un peu entre les deux. Parce que la réalité est toujours un peu plus complexe que la théorie, d'accord ? Et dans celles qui ne rencontrent pas les critères, je prends la précaution de montrer que l'étudiant en question a repris tel quel des phrases de mon polycopié et de site internet. D'accord ? Et c'est marrant parce qu'épistémologiquement, je les barre et je mets à côté zéro. Et puis on a une petite discussion. Parce que les étudiants me disent, non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est une de vos phrases. Elle vient du polycopier, vous ne pouvez pas vous attribuer un zéro. C'est absolument extraordinaire comme discussion. Je dis si, parce que mon but n'est pas d'évaluer mon syllabus ou mon polycopier, mais d'évaluer votre compréhension personnelle à vous de la phrase en question. Vous me suivez? C'est ça qu'il faut faire, c'est expliquer comment une approche en surface conduira malheureusement et inéluctablement à une appréciation négative de l'acquisition. Donc, si vous prenez cette précaution-là, vous avez quand même absolument intérêt à clarifier au maximum. Et certains vont plus loin. Alors, ça, c'est notamment le cas de André Antibi, donc le professeur de maths de Toulouse, hein, si mes souvenirs sont bons, qui a lancé tout un mouvement, vous pouvez trouver ça sur Internet, sur l'évaluation par contrat de confiance, et qui dit, lui, l'évaluation des acquis, quelque part, surtout en matière d'évaluation sommative et certificative, elle devrait comporter au moins, alors il dit en gros deux tiers, de choses qui ont été entraînées, véritablement enseignées, pratiquement telles quelles pendant l'enseignement. Ce serait le plus logique. Comme ça, il n'y a plus aucune surprise, entre nous d'ailleurs,
C'est plus ou moins ce qui se passe dans l'évaluation professionnelle. Quand vous faites des recrutements pour les hauts postes de l'administration, c'est redoutablement précis maintenant en termes de critères, en termes d'épreuves, en termes de ce qui sera demandé, etc., etc. Donc tout est sur la table, vous voyez. Ça, vous avez quand même toujours intérêt à ce que tout est sur la, à ce que tout soit sur la table. Sinon, vous privilégiez cette espèce de jeu du chat et de la souris, sans compter que, alors là, je m'égare un peu, mais comme j'ai 10 minutes de plus, ce n'est pas gênant. D'autres recherches en sociologie à l'heure de l'éducation ont montré que les étudiants qui sont les plus capables de décoder l'implicite, ce sont les étudiants en général les plus favorisés socialement. Et donc, là, alors, on a un deuxième problème, c'est que non seulement c'est pas très efficace, mais c'est très injuste du point de vue social, puisque finalement, ceux qui vont être capables de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, même parfois dans le discours même des enseignants, il faut qu'ils aient les outils de décodage. Et les outils de décodage sont plutôt liés à ce qu'on appelle le capital culturel, donc aux familles en particulier les plus favorisées. Donc pour cette raison-là, ne fût-ce, il me semble qu'on a vraiment intérêt à être le plus clair possible et à décoder nous-mêmes nos propres exigences. Je vous cite un petit exemple, c'est la deuxième blague belge, qui m'a toujours un peu surpris. Moi, j'avais des collègues, ils ont abandonné ça parce que j'ai un travail pédagogique, de fond, avec eux, qui parfois disaient aux étudiants, ah, écoutez, les amis, j'en ai marre de lire toujours la même chose dans les réponses aux examens, on est quand même ici à l'université, le temple de l'esprit critique. S'il vous plaît, rédigez vos réponses dans vos propres mots. C'est faux. C'est pas juste. C'est une consigne explicite qui ne correspond pas aux pratiques effectives de correction. On a recueilli toutes les copies une année donnée. Ils ont été d'ailleurs fantastiques parce qu'ils nous les ont données. Et on a observé, on a analysé quand l'étudiant s'autorisait, surtout au début de la formation, à utiliser ses propres mots, il était effectivement sanctionné. Parce que l'enseignant disait, mais non, qu'est-ce qu'il raconte ici? Meurtre, assassinat, homicide. Il met meurtre alors que c'est un assassinat pour l'étudiant, c'est un peu la même chose. Au début de ses années de droit, vous comprenez? Or, l'enseignant, lui, il va dire, non, c'est catastrophique. Il y a intention, pas intention, etc., etc. Donc, le petit malin, c'est quoi? C'est celui qui se dit, ce que mon enseignant me raconte là n'est pas tout à fait juste. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui peut se dire ça? Ben, en particulier, éventuellement, un étudiant dont les deux parents ont déjà fait des études de droit. Et qui vont lui dire, oh, wow, wow. Oui, un peu, en philo peut-être. Mais en droit constitutionnel, non, il vaut mieux quand même prendre les définitions. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'explicitation, alors il y a beaucoup de recherches là-dessus, à commencer par celle de Bourdieu, ils passeront plutôt sur le secondaire, mais il y a des études aussi sur le supérieur qui montrent que c'est un facteur éventuel d'absence de démocratisation de la réussite dans le supérieur. Oui. Ah. Eh bien, donc je répète la question. Ça me permet aussi d'y réfléchir. C'est pas mal ce système de soi-disant caméra là qui sert à rien, mais bon. Qu'est-ce qu'on doit évaluer? Vous dites, est-ce qu'on doit évaluer le produit final, donc ce à quoi il arrive, disons, ou la méthode? Eh bien, je vais vous répondre très facilement et je ne vais pas revenir parce que ce serait trop long, mais je reviens à ma première dia. Ça dépend de ce que vous avez enseigné. Si vous avez mis le paquet sur les méthodes de résolution en elles-mêmes, alors vous devez évaluer les méthodes de résolution en elles-mêmes. Si au contraire, vous tolérez des variabilités importantes de méthodes, mais ce qui compte, c'est d'arriver au résultat, alors vous comptez le résultat. C'est toujours comme ça. Je vais vous répondre à partir de maintenant jusqu'à 16h30, 17h30, de la même manière, ça dépend de vos objectifs d'enseignement. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas évaluer autre chose que ce sur quoi vos efforts pédagogiques ont porté. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, parfois, on va voir, ça va nous mettre dans des positions délicates. Par exemple, la question de la fameuse prise en compte ou pas de la maîtrise de la langue. Est-ce qu'on va pouvoir ou pas corriger, compter, les fautes d'orthographe, de syntaxe, etc. Je vais vous renvoyer la même. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour améliorer?
Alors après, il y a des réponses aussi qui peuvent être un peu plus nuancées, j'y reviendrai. En tout cas, pour la vôtre, c'est clair, ça dépend de ce sur quoi ont porté vos efforts d'enseignement. On y reviendra. Alors, quelque chose de très important, parce que ça, vraiment, je ne peux pas rater ça. Dites-vous bien que toutes les recherches montrent que c'est bien la manière dont les étudiants perçoivent les outils qui détermine leur comportement, pas les outils. Les formateurs ont des intentions pédagogiques avec des outils, d'accord ? Mais elles peuvent parfaitement ne pas être comprises ou être comprises différemment par les étudiants. Autrement dit, ça ne sert à rien de trop travailler les dispositifs. Il faut surtout travailler les perceptions qu'ont les étudiants des dispositifs. D'accord ? Alors, un exemple tout à fait connu internationalement, c'est une expérience qui est ancienne déjà maintenant. C'est la première, à ma connaissance en tout cas, la première implémentation de l'approche par problème dans une faculté de médecine à Maastricht. En France, on dit Maastricht. D'accord ? Ce sont les premiers, je pense, en Europe, qui se sont dit, bon, on va copier un peu ce qui se faisait déjà dans une université américaine, on va faire un apprentissage par problème. Alors, pour le coup, c'était une vraie révolution dans le domaine de la santé. Ça veut dire qu'on renversait complètement la logique. On commençait dès la première année par des réflexions sur des cas médicaux simulés. En général, c'était des vidéos d'entrée aux urgences sur lesquelles on fait réfléchir les étudiants. Et puis, par rapport à ça, ils acquièrent progressivement un certain nombre de connaissances. Alors que traditionnellement, c'était juste l'inverse, hein. On commençait par de la chimie, de la physique, de la biologie, puis de l'anatomie, de la physiologie, puis le corps mort. On y va mollo, hein. Dissection, gnagnagna. Et en cinquième année, oh, heureux et satisfait, l'étudiant voyait enfin un patient. Oh, pas vrai, hein, attention, oh. c'était encore un, comment est-ce qu'on appelle ça? Enfin bref, bon, c'était pas vrai. Bon, donc là, ils renversent tout. Et c'est intéressant parce que l'équipe de Maastricht a beaucoup publié sur leur propre expérience, y compris avec beaucoup d'honnêteté sur leurs impensés, sur les zones d'ombre, etc. Et en l'occurrence, l'évaluation a été vraiment un impensé les premières années. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, paf, on va mettre le paquet sur la qualité des cas, sur la progressivité des cas, pour que les étudiants aillent chercher les connaissances qu'il fallait pour les différents cas, etc. Et ils ont oublié, ce que plus personne d'entre vous ne fera désormais, de changer aussi fondamentalement l'examen final, qui était malheureusement un examen national aussi, au niveau de la médecine, c'est souvent le cas pour l'ensemble des universités. Donc, ils étaient passionnés, ils étaient fanatiques comme ça, ils inondaient la planète entière, ils étaient fiers, ils disaient « Ah, on est innovant, c'est fantastique. Regardez chez nous ces méthodes par problème. » Sauf qu'un jour, ils tombent un peu par hasard sur un site pirate fermé, Facebook. Il n'y avait pas encore Facebook à l'époque, mais c'était l'équivalent d'étudiants qui, en fait, avaient accumulé les cas des années précédentes avec leurs solutionnaires et qui distribuait comme ça, contre rémunération. En plus, hein, le Hollandais est avare. Donc, il faisait de l'argent avec un peu tout et n'importe quoi. Et alors, les formateurs étaient quasi en dépression nerveuse, hein. Ils disaient, mais c'est pas possible. Enfin, on leur a expliqué que, mais pas suffisamment. Et donc, il y avait un dispositif qui était censé les orienter clairement vers une approche en profondeur, mais qui était mal compris et mal perçu, au point que certains, pas tous quand même, étaient retombés dans une approche stratégique ou de surface. Et donc, ils ont dû faire un travail complémentaire qui est de dire, on va leur expliquer pourquoi on travaille par problème. Et ce qui compte dans un problème, vous savez, vous apprenez parfois plus quand vous ne résolvez pas le problème. Mais ça, il faut l'expliquer, il faut montrer qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on n'apprend pas, etc., etc. Vous ne serez d'ailleurs pas jugé sur l'exactitude de la résolution que vous allez proposer, mais sur, par exemple, la qualité des arguments que vous avancez. Comprenez ? Mais il faut prendre du temps pour ça. Sinon, les étudiants perçoivent autrement les intentions du dispositif pédagogique qui étaient les vôtres.
Si ça vous intéresse, il y a un excellent article qui porte. C'est pas moi, c'est une collègue, une jeune collègue qui a fait ça, mais c'est vraiment intéressant. On a pris 3 expériences d'utilisation du portfolio. Et dans une d'entre elles, en tout cas, on a montré qu'il y avait des différences assez importantes entre la perception qu'avaient les concepteurs ou les formateurs et la perception qu'en avaient les étudiants. Donc on avait interrogé à la fois des étudiants et les... Je passe la parole juste après. Et alors soit carrément les concepteurs du portfolio, soit les utilisateurs, même s'ils n'avaient pas été concepteurs. Et sur un certain nombre de dimensions, ce n'est pas toujours vrai, mais vous voyez que vous pouvez positionner les représentations à des endroits assez différents du continuum. Par exemple, beaucoup de ces enseignants avaient dit que le portfolio avait surtout une visée de développement. Ah, vous savez, ça n'interviendra que peu pour l'évaluation. Ce qui compte, c'est que l'étudiant soit réflexif, qu'il soit honnête par rapport à son propre vécu, etc., etc. Tout ça a été considéré par les étudiants comme des balivernes, dès lors qu'une toute petite partie de l'évaluation portait sur une partie de leur portfolio. Et ils avaient au contraire une représentation de la fonction du portfolio plutôt centrée sur le contrôle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez une intention pédagogique qui n'est pas comprise, qui n'est pas partagée. À ce moment-là, vous ne pouvez pas obtenir les effets escomptés. Et vous aurez parfois les effets contraires. Alors, je pense qu'il y a une question. Alors, bon, l'idée, en gros, si vous voulez, c'est que c'est l'étudiant... C'est un peu comme un book pour les artistes. L'étudiant a... Alors, souvent, maintenant, on fait un portfolio électronique, c'est-à-dire qu'il a un espace dans la plateforme d'enseignement, et on l'invite à déposer toute une série de preuves de ses apprentissages. Alors, un des premiers qui a été réalisé, qui était pas mal d'ailleurs, c'était un portfolio en matière de formation à l'histoire de l'art. Eh bien, là, par exemple, ils avaient X musées à visiter, X œuvres à analyser, et tout simplement, ils rendaient compte dans le portfolio de ce qu'ils avaient visité, de la manière dont ils les avaient analysées. Et en règle générale, ils présentent alors à la fin de l'année le portfolio dans son ensemble, il y a une petite discussion, et c'est ça qui sert de support à l'évaluation. Ah non, non, non. Alors, ça peut être variable. Si c'est une formation vraiment très ouverte, vous pouvez laisser pour partie des thèmes à l'initiative des étudiants. Si c'est une formation plus fermée, c'est vous qui déterminez la structure du portfolio. Et le gros avantage quand même, c'est de déléguer une partie de la responsabilité du processus d'évaluation des acquis à l'étudiant lui-même. En disant, voilà, tu es quand même grand assez pour savoir si oui ou non tu peux nous montrer que tu as compris, acquis un certain nombre de choses. Donc c'est un outil qui est pas mal utilisé pour le moment dans l'enseignement supérieur. Je ne sais pas trop dans les écoles de votre groupe. Bon, je pense quand même, j'ai déjà vu quelques expériences. Hop, excusez-moi. Et donc, pour revenir à votre question aussi, monsieur, tout à l'heure, donc c'est vrai que j'ai un peu tapé fort sur le QCM, c'est pas non plus complètement exact. On peut aussi... si on clarifie exactement les tenants et les aboutissants même d'un QCM, éviter éventuellement ces effets délétères ultérieurs. Alors, passons maintenant à la troisième partie, c'est parfait. Quelques conclusions plutôt prospectives en disant, très bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors en matière d'évaluation des acquis? Un, la première chose, c'est évidemment de clarifier votre contrat didactique. Là, c'est clair, net et précis. Pour toute une série de raisons que je viens d'expliquer, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est vraiment le premier, la première préoccupation. J'ai dit tout à l'heure, à la suite de l'excellente question de monsieur, tout processus d'évaluation est un processus subjectif, nécessairement subjectif, parce que l'évaluateur va lire, interpréter, analyser les productions, quelles qu'elles soient, des étudiants, donc à l'aide de ces grilles de lecture. C'est automatique ce que je suis en train de dire. Vous devez donc dire à vos étudiants quelles vont être vos grilles de lecture de ce qu'ils vont vous produire. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la clarification du contrat didactique. On va objectiver sa subjectivité selon une formule qui n'est pas de moi mais que j'aime bien, c'est-à-dire on va rendre objectivable, compréhensible, sa propre subjectivité. Il y a 36 000 techniques pour clarifier le contrat didactique.
le fait de faire, par exemple, un petit document de présentation de son enseignement, le fait de, moi je fais souvent, ça c'est assez efficace, de faire réfléchir les étudiants, vous leur donnez simplement, vous venez d'enseigner une matière, vous vous souvenez que vous avez fait porter une de vos questions des années antérieures sur cette matière-là, vous agrafez trois réponses d'étudiants antérieurs, vous typexez leur nom par charité chrétienne pour ne pas qu'on les reconnaisse, vous les distribuez à vos étudiants et vous dites voilà, par rapport à ce que je viens d'enseigner, voilà une question possible et voilà trois réponses d'étudiants. Qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, laquelle est-ce que j'ai, alors attention, hein, laquelle est-ce que j'ai estimé en regard de mes critères correct? Laquelle est-ce que j'ai en regard de mes critères estimé pas correct, etc., etc. Et puis on discute. Et puis vous pouvez rappeler éventuellement, enfin pas éventuellement, votre propre grille de critères. Ok? Vous pouvez travailler toute l'année sur votre grille de critères. Vous pouvez la présenter le premier jour et puis vous pouvez progressivement l'exemplifier au fur et à mesure qu'on avance dans le semestre. De telle sorte à ce que, comme le disent nos amis anglo-saxons, on soit dans une situation de visible learning, c'est-à-dire que l'étudiant peut carrément se mettre à votre place. Il est dans votre cerveau d'enseignant, il sait ce que vous cherchez à leur faire acquérir, donc il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Il y a d'autres techniques, alors par exemple, en voilà une, mais ça j'ai vraiment pas le temps d'entrer dans les dispositifs concrets, mais par exemple, une équipe là, coordonnée par un certain Rust, c'est une situation assez traditionnelle, les étudiants sont évalués par travaux, et à chaque fois aussi, l'équipe enseignante se dit, mais enfin, zut, il y a des caractéristiques de ces travaux qui ne répondent quand même pas vraiment aux critères annoncés. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils consacrent une séance à la clarification du contrat didactique. Ils distribuent deux travaux d'étudiants antérieurs qu'ils demandent aux étudiants actuels donc d'évaluer. Alors là, ils vont très loin. Ils vont jusqu'à la note, à la mention et à quelques commentaires. Puis, quand les étudiants viennent au séminaire en petits groupes, ils discutent d'abord des corrections et ils recherchent un consensus. Donc, ils se retrouvent par exemple à 4. Ils prennent le premier travail. Travail A, tiens, tu lui as mis combien, toi? 12. Ah, 14. Ah, 6. Oh, oh. Pourquoi? Ben, regarde ce critère-là. Non, c'est pas présent. Ben, si, il est présent. Vous comprenez? Donc, là, ils discutent. Ils comprennent, ils rentrent dans votre tête, en fait, ce qu'ils savent. Enfin, dans votre tête pour la partie critère. Hein. Uniquement, ils essayent de vous comprendre, de voir la logique qui est la vôtre. Chaque petit groupe présente ensuite au grand groupe le résultat de leur discussion. L'enseignant intervient, bien sûr, pour corriger, hein, pour dire non, il est possible parfois que tous les groupes aient surestimé un travail ou sous-estimé un autre, réexpliquent les critères. Ils reviennent en petit groupe pour le réexaminer les deux travaux sur la base de ces explications complémentaires. Et puis, ils demandent ce qu'on fait maintenant souvent aussi, hein, c'est que l'étudiant remette in fine son travail avec une fiche d'auto-évaluation, avec les mêmes critères. Et donc, rien qu'en faisant ça, donc ça dure 2 heures, il faut compter quand même la lecture par les étudiants des deux travaux, donc ça c'est un peu plus conséquent, mais 2 heures, un gain de 15% de taux de réussite. Tout simplement parce que le contrat didactique a été effectivement rencontré. Oui. Je répète la question. C'est vrai que j'évoque parfois. Alors, volume horaire. C'est parfois par petites touches. Moi, je suis pas sûr qu'il faille consacrer des dizaines d'heures. Ce que je viens d'expliquer, par exemple, ça, pour les deux ou les trois copies, ça peut prendre 15 minutes. Voilà. Moi, ce sont des réponses qui sont des réponses d'une demi-page. Je suis en train d'enseigner quelque chose. Juste après, je m'arrête et je fais cette clarification du contrat didactique. Ça me prend 15 minutes. Je peux faire 3-4 fois par semestre. Vous voyez, c'est pas des trucs qui nécessairement sont extrêmement consommateurs de temps. On peut aussi, on l'a fait il n'y a pas longtemps, le faire avec des supports technologiques. Ce qu'on a essayé l'année passée, c'est de demander à des étudiants de corriger des réponses
de leur père. Donc ils avaient sur la plateforme d'enseignement, il y avait deux autres étudiants qui leur étaient attribués, et avec la grille de critères, ils devaient corriger la réponse de leur père, et ça, on leur demandait de faire ça en dehors de l'enseignement. Donc là, c'est juste une minute de consigne, et il faut le reconnaître, il ne faut pas l'oublier, du travail complémentaire pour l'étudiant. Donc je dirais que c'est des petites touches, il vaut mieux des petites touches fréquentes que vraiment des dispositifs majeurs qui prennent trop de temps à un moment donné. Puis, faut toujours bien voir en pédagogie, qu'est-ce que vous gagnez aussi. C'est sûr que ça va vous prendre un petit peu de temps d'enseignement, mais vous allez orienter immédiatement les étudiants vers les apprentissages que vous souhaitez. Vous voyez? Donc, si je reprends mes collègues de Maastricht, c'est sûr que ça leur a pris du temps, et ça leur prend encore du temps maintenant, d'expliciter la logique de l'apprentissage par problème, mais ils le font. Parce qu'ils se disent, si on ne le fait pas, ben on n'aura aucun des effets escomptés de nos méthodes. Donc c'est un choix. Vous voyez? C'est une réponse qui n'a pas l'air de vous satisfaire entièrement. Oh non! Non, pas entièrement. Non. Je veux dire, tout effort pédagogique de clarification, évidemment, prend un petit temps. Ça, je ne vais pas vous cacher en disant, mais non, pas du tout. Mais je trouve qu'il faut trouver des formules, et à chacun de nous de le faire, où vous estimez que l'investissement dans cette forme-là d'explicitation vous rapporte énormément de choses et donc que vous estimez que finalement ça vaut la peine. Voilà. Mais je vais vous répondre de la même manière. Oui. Oui. Ça, je suis d'accord avec vous. Je n'avais pas pensé à ces situations-là. C'est sûr que sur 10 heures, même 6 heures de cours, ça, c'est quand même un peu peu. Alors, ce qui se pratique aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est des explicitations, par exemple, sur des dispositifs d'évaluation intégrée. C'est-à-dire que des enseignants décident de passer à un enseignement plus ou moins intégré et donc à des formes d'évaluation intégrée. Je vous donnais un exemple tout à l'heure en vétérinaire. C'est 3 enseignants qui ont chacun, alors, quand même 4 crédits. Donc là, ça vaut la peine, évidemment, de faire ensemble des séances d'explicitation. Mais vous avez raison, si vous n'avez que 6 heures à vous tout seul dans un coin, c'est peut-être pas trop... Ça risque de vous demander, effectivement, j'essaie de ne pas avoir de réponse de Normand, ça risque de vous demander, effectivement, alors un temps d'explicitation qui est un petit peu démesuré par rapport à votre temps disponible. C'est encore un peu Normand, ça, mais bon, c'est tout ce que je peux faire, moi. Le Belge est Normand dans l'âme. Bon, alors, deuxième étape, là, c'est pas facile, hein, c'est récompenser, effectivement, l'approche en profondeur. Je vous ai montré ça tout à l'heure, c'est terrible. Nous avons du mal. Sauf en France, j'imagine, mais c'est très très prudent, moi. Quand je suis à l'étranger, il faut toujours que je rentre aussi. Bon, bref, nous avons quand même parfois du mal à véritablement mettre en place des dispositifs d'évaluation ouverte qui récompensent effectivement l'approche en profondeur, par exemple, qui tolère des réponses divergentes, légèrement divergentes, si elles sont correctes, par rapport à ce qui était annoncé. Qui tolère des réponses exprimées peut-être de manière encore un peu approximative, mais qui sur le fond sont intéressantes. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il faut travailler sur soi-même en disant, est-ce que ce que j'annonce à mes étudiants correspond effectivement à mes comportements quand je suis face à leurs copies ou à leurs travaux? Et comment est-ce que je pourrais essayer de récompenser à coup sûr une production individuelle personnelle, divergente, créative, et éviter, c'est un dessinateur pendant une de mes conférences qui avait fait ce petit dessin qui est remarquable, je trouve, approche en profondeur, laisser l'étudiant s'exprimer, excellent travail. C'est bien, je trouve que le dessinateur avait saisi ce que je voulais dire, c'est ça, hein, c'est la difficulté de juger potentiellement un excellent travail qui ne soit pas quelque chose qu'on aurait pu produire, vous comprenez?
Ça, c'est s'il faut travailler sur soi. Hein, c'est une longue psychanalyse pédagogique de plusieurs années qui aboutit à ce genre de choses. Bon, alors ça, j'ai vraiment pas le temps parce qu'il me reste pas grand-chose. Surtout si on fait toujours pas la photo. Hein, vous êtes d'accord. Hein. Alors, une des explications que ces chercheurs ont trouvées, c'est la question de la quantité. Et c'est vrai que parfois, donc alors qu'est-ce qu'ils ont fait quand même pour essayer de comprendre? Ils ont regardé. Ouh là là, oui, vous n'avez pas la fin, ça c'est catastrophique. Donc, alors vous pouvez en fait rien comprendre. Ça c'est pas l'idéal. Donc ils ont analysé des réponses d'étudiants selon deux types de critères. Vous l'avez dans vos feuilles. Hein, selon le premier type de critère ici, c'est la quantité de données ou d'informations qui est rapportée par l'étudiant dans sa réponse. Et le deuxième type de critère, c'est la pertinence, la qualité même des données rapportées par l'étudiant. Et on leur avait préalablement demandé s'ils développaient une approche en profondeur. Et ici, c'est une échelle. C'est un peu différent, mais c'est la même chose. C'est une échelle de développement, l'échelle de Likert, de 1 à 5. Est-ce que vous avez l'impression de développer une approche en profondeur fortement, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, faiblement ou très peu. Et ce qu'ils trouvent, et ce qui peut-être nous mettra sur la piste de pratiques intéressantes, c'est que en termes de qualité, vous avez quand même assez clairement une progression. Autrement dit, plus l'étudiant à développer une approche en profondeur, plus les éléments qu'il rapporte dans sa réponse sont effectivement pertinents, adéquats par rapport à la question posée. Par contre, ce n'est pas vrai de la quantité. Au contraire même, ceux qui développent le plus une approche en profondeur ont tendance à en remettre un peu moins. Pour des raisons qu'il faudrait analyser plus en détail, mais sans doute en se disant, voilà, moi, ça suffit. Je lui ai montré, je pense, que je maîtrise. J'ai pas besoin d'en rajouter des tonnes et des tonnes. Ce qui va peut-être alors un peu à l'encontre de nos pratiques, disent les chercheurs. Alors, ils sont un peu durs, mais je trouve que parfois, c'est vrai, on a plutôt tendance à récompenser au poids. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites que, allez, je prends un petit exercice mental que je vous demande à chacun de faire, que j'ai fait moi-même rétrospectivement. Je me suis d'ailleurs fort interrogé sur moi-même à cette occasion-là. Et c'est ce qu'ils conseillent de faire, c'est de repasser sur vos examens des derniers mois ou des dernières années en regardant quand est-ce que vous mettez un franc zéro. Et souvent, et mea culpa public comme en Chine, hein, je reconnais que j'ai plutôt tendance à le mettre uniquement quand il n'y a pas d'élément. Et puis quand il y en a un, on se dit par compassion, ça n'a rien à voir, mais il a fait un effort. D'accord. Et vous avez tendance à, alors pas mettre le nombre de points attribués, mais quand même, etc., etc. Donc ça, il faudrait peut-être lutter contre ça en disant, si ça n'est pas cohérent par rapport à la question, zéro point. Y compris si c'est une phrase intelligente que j'ai prononcée moi-même. Troisième piste ou conclusion, c'est évidemment travailler beaucoup avec vos étudiants sur les dispositifs, peut-être, mais aussi sur les perceptions qui s'en construisent. Donc, il suffit pas de présenter un apprentissage par problème, il suffit pas de présenter un portfolio. Il faut recueillir dans des discussions de groupe, etc., ce que eux en retirent, comment ils le perçoivent, et éventuellement travailler un écart qui pourrait y avoir entre ces perceptions et vos intentions pédagogiques. Évidemment, après, c'est toute la question de l'alignement pédagogique que j'ai abordé, vous l'avez compris, mais à travers un prisme tout à fait particulier, c'est assurer la cohérence, contexte. J'aime bien d'ajouter ça à l'alignement pédagogique. Moi, c'est qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce que la société demande, quel est par exemple l'évolution des métiers à l'heure actuelle. Finalité de la formation, méthode d'enseignement, évaluation des acquis. Et c'est ça qu'on appelle l'alignement pédagogique. C'est au fond la cohérence qui existe, hein, la congruence qu'on peut essayer de mettre en place par rapport à ces quatre éléments ces quatre éléments du processus d'enseignement lui-même. Comment allez-vous faire pour trouver la formation? Je peux appeler un ami. Par exemple, à l'heure actuelle se pose la question
Mais ça, elle se posait déjà avant, d'ailleurs, avec le fameux petit robot, là. Est-ce que vous l'avez aussi en France, ChatGPT? Hein, tous mes collègues se disent, aïe, 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 c'est la fin du monde. Alors, c'est vrai qu'en matière d'évaluation des acquis, ça change un peu la donne, en particulier pour ceux qui centraient leur évaluation sur des questions de restitution, puisque notre cher robot va pouvoir le faire. Alors maintenant, il y a des solutions, j'ai vu ça, j'ai reçu des messages hier en disant, un doyen a dit, nous allons couper toute connexion possible dans les salles d'examen. Ça, c'est la forme scolaire qui se recroqueville sur elle-même, vous voyez, qui dit, aïe, 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 aïe. Au début, je vous rappelle d'ailleurs, hein, quand l'imprimerie est apparue et que les premiers enseignants ont découvert les livres, ils étaient horrifiés. Ouh, ils se sont dit, mais les livres vont nous remplacer. Alors, ça n'a pas été le cas, je vous rassure tout de suite. Donc, à chaque époque, d'ailleurs, c'est amusant, j'ai fait un petit article là-dessus si ça vous intéresse. Hein. Donc, il y a eu les livres, puis il y a eu la télévision, je ne sais pas si vous vous souvenez, la télévision scolaire. On a dit, aïe, 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 c'est fini. Hein. Les micro-ordinateurs, Seymour Papert, 1984. Il faut relire ça, c'est succulent. Seymour Papert, du MIT, invente une espèce de petite tortue, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus vieux, oui, la tortue logo, hein, qui permet les enfants peuvent programmer la tortue logo, elle va se déplacer, ils vont tout comprendre aux mathématiques. Il y a un passage extraordinaire où il dit, l'apprentissage des mathématiques va devenir naturel. dans 30 à 40 ans, l'enseignement aura disparu. Et on nous refait le coup systématiquement. Internet, on l'a eu, maintenant le robot, etc. Bon, bref. Donc, il faut réfléchir à... C'est pas ça qui... Notre réflexion, c'est est-ce que les modalités d'évaluation sont cohérentes par rapport au contexte? De plus en plus de collègues me disent, y compris, par exemple, on va juste voir après en vétérinaire, le vétérinaire sur... son site de travail, dans l'exercice même de sa profession, utilise Internet. Il ne s'amuse plus à retenir par cœur tous les types de médicaments, etc. etc. Il utilise Internet, c'est comme ça. Faire alors des examens avec des connexions interdites devient ridicule, vous comprenez? Puisqu'il ça ne prépare en rien à l'exercice effectif du métier. Donc il faut penser, alors je ne dis pas que c'est simple, à le faire dans des conditions qui sont congruentes par rapport à l'exercice du métier et qui permettent quand même aussi une certification individuelle des acquis. On est d'accord. Et c'est là qu'on va avoir évidemment une difficulté. Mais ceci dit, le fameux rapport sur la stratégie nationale de l'enseignement supérieur de 2015, rapport français, je vous rappelle, hein, qui était un peu oublié, je pense, hein, ouvrait déjà la question et disait, mais est-ce que ça a encore du sens? Ça fait la conclusion, ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on autorise les calculatrices en examen. L'étape suivante sera sans doute d'autoriser les ordinateurs avec accès total à Internet. Alors, voilà un exemple d'alignement pédagogique. Ce sont mes collègues donc, dont je parlais tout à l'heure de vétérinaires hein, qui se sont mis à trois pour réaliser un enseignement qui est davantage intégré. Et puis, ils se sont dit, mais alors, par souci d'alignement pédagogique, il nous faudra aussi revoir les modalités d'évaluation et ils ont utilisé une modalité qui est assez courante en Angleterre, le steeplechase, hein, c'est-à-dire que les étudiants entrent à l'examen, alors c'est pas très clair, et ils sont confrontés à d'abord une pièce anatomique qui, au fur et à mesure de la journée, devient de plus en plus nauséabond. Ça, c'est les effets de la pédagogie active, ça. Donc ceci, c'est une jambe de cheval. Hein. On m'a corrigé, c'est pas une patte. Hein. On dit merci, Jean-Loup, c'est une jambe de cheval dans un triste état. Ils peuvent évidemment l'ausculter, voir un certain nombre de choses. On leur donne aussi quelques informations. Et puis, ils vont sur différentes files. Il y en a trois, si mes souvenirs sont bons, qui correspondent en fait aux trois enseignements. D'accord, donc il y a un enseignement de physiologie, un enseignement d'anatomie, le troisième, je ne sais plus trois. Et ils ont des petites questions qu'ils doivent résoudre progressivement. Dès qu'ils ont résolu une question, ils passent au banc suivant, etc. etc. Et une fois qu'ils ont fait les trois files, bah, ils ont quand même une appréhension assez générale des problèmes liés à cette jambe de cheval, j'y arriverai. Et l'examen se termine alors par une confrontation à un jury qui est composé des trois enseignants. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pour ça? Oups. Par souci d'alignement pédagogique entre le contexte général, qu'est-ce qu'on demande effectivement à des professionnels vétérinaires à l'heure actuelle,
Quelles sont alors nos finalités? Comment est-ce qu'on a enseigné? Ben, enseigner plutôt de manière intégrée, et donc, inévitablement, on va aussi évaluer de manière intégrée, c'est-à-dire à trois, et plus chacun dans son coin. Voilà, ça je passe. Ça, je vais passer aussi, mais c'est une grande question que vous pourrez peut-être me reposer tout à l'heure à 16h30, à savoir, il y a toute une réflexion qui est disponible aussi maintenant. Si vous prétendez, dans l'alignement pédagogique, développer des compétences, parce que vous estimez que le contexte l'exige, et que vous avez aussi mis en place des méthodes d'enseignement, apprentissage par problème, jeu de rôle, méthodes de cas, qui développent des compétences, vous devrez envisager des évaluations congruentes, c'est-à-dire par compétences. Et là, c'est pas facile. On sait qu'il y a des critères, j'ai pas le temps d'y revenir. En général, l'évaluation est davantage collective, voire parfois partagée avec des milieux professionnels. Peut-être que parfois, ce sont des maîtres de stage qui sont les plus indiqués pour évaluer effectivement la maîtrise d'une compétence. Il faudra trouver un certain nombre de tâches valides, complexes et ouvertes, peut-être parfois en situation, alors soit réelle, soit fictive, comme tout à l'heure avec mes faux patients, hein. L'Université de Genève a été une des premières à faire ça. Donc, ils payent des faux patients, des comédiens, en fait, qui simulent des maladies ou des crises cardiaques, etc., etc., selon un protocole tout à fait précis, pour voir si le médecin est capable, effectivement, le futur médecin, de repérer. Très probablement aussi avec une part d'évaluation continue beaucoup plus importante, parce que évaluer une compétence juste le 15 juin, à 10h30, ça n'a aucun sens. Elle se développe progressivement, elle se met en place, il y a parfois des reculs, etc. De ce point de vue-là, le portfolio peut aussi être... Tout en cherchant, et c'est peut-être là une difficulté sur laquelle je vais terminer, mais il est grand temps, tout en cherchant avec nostalgie, comme j'ai dit, à assurer à l'évaluation toutes les qualités traditionnelles attendues, fidélité, validité. Prenons un exemple concret, hein. Et l'Université de Genève ici s'est beaucoup interrogée sur cette question-là. C'est très bien, vous utilisez des faux patients, des comédiens. Est-ce que vous êtes sûr que les cas soumis aux étudiants soient de difficultés conceptuelles plus ou moins proches, pour être fidèles, c'est-à-dire pour être plus ou moins juste par rapport à l'ensemble des étudiants? C'est pas si évident que ça, d'accord? Donc vous allez aussi devoir combiner ces approches nouvelles avec les qualités traditionnelles attendues, ce qui peut parfois conduire, et ça je vous mets en garde contre ça, ce qui peut parfois conduire à une espèce d'inflation des procédures et un découpage des critères. On a vu parfois ça, ce qu'on a appelé des usines à cases, hein, les gens se disant, oh là là, pour être sûr, pour être objectif, etc., je vais vraiment définir tout ce que j'attends, etc., etc. Je crois qu'il faut vivre sereinement avec une part de subjectivité, une part, pas exagérer, sinon on s'en sort pas. Ce que je vous ai montré est un exemple particulièrement clair, ça vous l'avez dans vos notes, de gens qui ont essayé de décrire et de sous-décrire et de décliner tous les critères, et à un moment donné, ça devient tout à fait insupportable. Et puis, mais monsieur a posé la première et excellente question de la matinée, mais j'y reviens juste en terminant. Ben, renoncer à poursuivre la chimérique objectivité, hein, et chercher beaucoup plus modestement à réduire quand même et surtout encadrer sa subjectivité. Quand on fait trop d'usine à casse, on a cet effet-là. Hein, mais, vous savez, on a souvent critiqué dans l'enseignement obligatoire les bulletins par compétence. Je ne sais pas si vous avez eu ça en France. C'était des bulletins de 50, 60 pages, alors que les parents ne sont pas nécessairement très au courant du découpage très précis ou très... très technique, hein, de chacune des compétences. Et donc, ils ont ici un bulletin, vous voyez, comme il est long quand même. Hein. Il est long comme un long jour sans fin. Mais tout compte fait, est-ce que tu es bon en maths? Il dit, je ne sais pas. Parce qu'il n'a pas cette lecture globale, évidemment, de l'état de sa maîtrise par rapport à ce qui était véritablement attendu. Voilà, je termine à l'heure. C'est pas beau, ça? Alors que nous avons encore la place pour soit une photo, soit une question. Ah, peut-être que vous êtes épuisé et que on peut prendre des questions après. Hein. Ah non, non, monsieur n'est pas épuisé. Oui, allez-y, allez-y.
Alors ça dépend effectivement du type d'enseignement. Donc moi, je vais faire une réponse qui n'est pas une réponse de Normand, mais qui est une réponse facile. Moi, je base pratiquement toutes mes questions sur des expériences personnelles. Soit professionnelles, si c'est en formation d'enseignant, je leur demande de prendre leur dernière leçon et par rapport à cette dernière leçon-là, de me faire une analyse, par exemple, de la relative clarté de leur contrat didactique. Ça, je ne vois pas comment le robot pourrait être au courant de la dernière leçon du type en question, sauf peut-être, ça je n'ai pas encore testé, que le type lui décrive la dernière leçon et qu'il soit capable, par rapport à ça, de me dire, de mobiliser intelligemment le concept de contrat didactique pour l'analyser. Franchement, je demande à voir ça, parce que là, ou alors il me bluffe vraiment. Mais entre nous, dans ce que j'ai vu, moi, c'était peu bluffant quand même. C'était très, très, très normand. J'ai posé quelques questions basiques sur la pédagogie. Ça n'a pas l'air de l'intéresser outre mesure. Donc, voilà, il y a ça. Mais vous avez raison. Donc, c'est une vraie question quand même. C'est de dire, étant donné qu'il est là, et étant donné que, parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est un exemple d'intelligence artificielle qui va se développer partout. D'ailleurs, j'ai vu que la suite Microsoft même pense l'intégrer carrément dans sa panoplie d'applications. Donc, ça veut dire que ça va être là, c'est tout. Et il nous faut juste réfléchir à qu'est-ce que ça peut changer. Ça peut déjà changer pas mal dans l'enseignement. Il y a déjà beaucoup de collègues qui l'utilisent, moi. Ils me disent, c'est génial. On demande au robot de faire une petite analyse, une petite réponse, et on exerce sur cette analyse-là un certain esprit critique. Est-ce que c'est correct? Vous savez, en venant dans la tempête de neige, il y avait une émission d'Europe 1, je pense, où il y avait un spécialiste de Grenoble, l'intelligence artificielle, qui expliquait que il était au courant, donc il avait testé il y a très longtemps, dès qu'il est apparu, il avait posé une peau de banane, il lui avait dit, tiens, est-ce que, à ton avis, mon ami le robot, la Terre est ronde ou la Terre est plate? Dans un premier temps, il avait répondu, on ne sait pas encore, et il y a pas mal de gens quand même qui pensent qu'elle est plate. Et il avait argumenté, etc., etc. Une semaine après, il avait reposé la même question, cette réponse de type des informations avait disparu. Probablement, d'après ce que la personne disait, par l'intervention d'un modérateur qui lui avait dit « tu déconnes, il ne faut pas dire des choses pareilles, etc. etc. » Mais ça, c'est génial, ça, comme situation d'enseignement pour les étudiants, vous voyez, de dire « Regardez ce qu'il vous répond, est-ce que c'est juste, est-ce que ce n'est pas juste, où est-ce qu'il a été chercher ça, comment est-ce qu'il a fait, etc. etc. » Pour l'enseignement, je pense que c'est facile, ce n'est pas trop problématique. Pour l'évaluation, ça pose cette question-là. Comment est-ce que je suis sûr qu'effectivement, il va encore y avoir une part de production personnelle? Ça pourrait être, par exemple, de la critique de la réponse fournie par le robot. Il faut chercher. Mais vivre dans l'idée que on va l'interdire. Les écoles de l'État de New York l'ont interdit pour le moment. OK. Mais ça, il y a des textes. Je vous dis qu'à la naissance de l'imprimerie, il y a des grands pédagogues qui ont dit on va surtout pas avoir des livres à l'école. Télévision, c'était la même chose. Ordinateur personnel, c'était la même chose. Internet, c'était la même chose. L'école ne peut pas vivre en dehors du monde réel. Et ça, si l'intelligence fait partie du monde réel, elle doit se demander comment l'intégrer au mieux en matière d'enseignement et en matière d'évaluation. Excellente dernière question.